lâche, enfermé dans sa forteresse comme dans une tombe. Nos forces au sol ne peuvent avancer au-delà de son domaine de cristal. Et tu sais ce qu'il peut faire à nos Pégases, incapables de défendre leurs esprits grâce à la magie. Nous n'avons besoin que d'une opportunité. Il a perdu beaucoup de terrain. Les éléments devraient pouvoir l'éliminer. Et si ce n'est pas le cas? Pourquoi échouerait-il? Hypothétiquement. Eh bien, hypothétiquement, nous sommes prêtes au cas où. En effet, il ignore tout des forces auxquelles il se confronte. Bien, ne prolongeons pas son attente. C'est tout. Fini la rigolade, son bras. Rends-toi. Temps de... Hey, tu parles de quoi, Ardis? As-tu oublié à qui appartiennent les terres que tu foules? Peu m'importe quel sombre pacte tu as réalisé, tu échoueras. Il semblerait que même les cœurs des dieux manquent de pureté. Je peux sentir ta rage. Et elle est... délicieuse. Silence, misérable! Ma sœur, Dieu merci. Non. Luna, je t'en supplie. Ma sœur, ça n'aurait pas dû se passer ainsi. Pourquoi aller aussi loin pour protéger vos ridicules intérêts impérialistes? Tu crois sérieusement que c'est ce que j'essaye de protéger? Relâche-moi. En temps voulu. Je me demandais pourquoi ta sœur irait jusqu'à te craindre. Il semblerait qu'elle ait raison de le faire. Elle ne me craint pas. Tu verras sous peu. Penses-tu honnêtement qu'elle comprend la nuit dans toute sa gloire? Ne prétends pas la comprendre non plus. Oh, je comprends parfaitement. Tu penses que je suis un tyran? Et pourtant, les meilleurs esclaves sont les esclaves volontaires. Silence! Tu peux ignorer mes mises en garde tant que tu veux. Ça ne changera pas ton destin. Économise ta salive. Et même si, par miracle, tu devais me vaincre, ta sœur serait alors l'instrument de ta chute. Pourquoi avoir à choisir?
Equestria fera face à de nombreux ennemis dans le futur. Ne serait-il pas plus sensé de se dresser contre eux ensemble ? Nous préférons mettre fin à nos jours plutôt que de nous soumettre à toi. Se soumettre ? Comme tu l'as fait avec ta sœur. J'admire ta détermination. Tu es forte. Bien plus apte à régner. Bien plus digne de respect que Celestia. Maintenant, tu as l'opportunité de prendre sa place. Ensemble, nous mettrons à la nation ce qui est réellement la peur de la nuit. Espèce d'idiot. Qu'il en soit ainsi. Quel dommage. Tu crois vraiment avoir trouvé un allié dans les ténèbres? Comprends-tu réellement les pouvoirs qui te furent offerts? Ces mêmes pouvoirs avec lesquels je suis né. Où penses-tu que les ombres se cachent de la si précieuse lumière? Qui se dresse contre elle, à ton avis? Ce que tu possèdes n'est qu'une petite fraction de leur pouvoir. Ce même pouvoir contre lequel je me dresse, inflexible, et ça toutes les nuits. N'approche pas! Tu n'es rien en comparaison. Tu n'es rien comparé à moi! Tu prétends connaître la peur? Je vais te montrer ce qu'est la véritable terreur! Qu'est-ce que... tu es? Je... suis un cauchemar. Luna! Qu'y a-t-il? Dieu soit loué, tu vas bien. Où sommes-nous? Et qu'est-il arrivé à... Son bras n'est plus. Mais... l'Empire... il... je... Bannir tout un empire de la sorte. À combien de haine et de pouvoir faisions-nous réellement face? Mais le plus important, c'est que tu sois saine et sauve. Et que tu aies pu nous sortir de là sans encombre. Il nous faudra informer nos sujets de cette défaite. Tous les combats ne se terminent pas par une victoire. Viens, il fait froid. Rentrons à la maison.